Bonjour et bienvenue au Théâtre des Muses qui nous amuse. Cette semaine, nous vous proposons un grand spectacle, Proudhon, modèle Courbet. Il s'agit là d'un des grands succès du Festival d'Avignon, déjà plus de 500 représentations pour cette pièce qui met en scène le grand Courbet, mais aussi Proudhon. Alors, nul n'est censé ignorer la loi, nul n'est non plus censé ignorer que Proudhon, le père du socialisme, de l'anarchisme, était l'ami de ce grand peintre du réalisme, Courbet. Nous allons pouvoir assister à une dispute d'anthologie dans l'atelier du grand Courbet. Et nous comprendrons comment l'un et l'autre vont pouvoir se pousser, se stimuler. L'un à pouvoir rendre l'art au peuple, l'art de son propre vécu, et à l'autre, comment renouveler la société sur des nouvelles bases. Ce sera aussi le moment de parler de féminisme qui va à l'encontre de certaines valeurs très conservatrices. Bref, on parlera philosophie, on parlera d'art et tout le monde se régalera. Un spectacle à la portée de tous, brillant, lumineux, pictural. Arrête de bouger, je peux plus travailler. Il fait froid ici, quand est-ce qu'on rentre à Paris? Me voilà lancé dans un immense tableau. Ça leur montrera que je ne suis pas mort. Et que le réalisme non plus. Eh, puisque réalisme il y a, c'est l'histoire morale et physique de mon atelier. C'est la société dans son haut, dans son bas, dans son milieu. C'est le monde qui vient se faire peindre chez moi. Alors? Alors quoi? Qu'est-ce que t'en penses? Ce que j'en pense? Oui. Mauvais Courbet. Il va me le faire. Quoi? Quoi? Le livret du pavillon du réalisme. Excusez-moi, mademoiselle, mais la femme n'est pas seulement autre que l'homme. Elle est moindre. Son sexe constitue une faculté en moins. Là où la virilité manque, le sujet est incomplet. Ah, parce que vous croyez qu'il y a des droits pour l'un qui ne soient pas des droits pour l'autre. Enfin, mais est-ce que l'être humain n'est pas l'être humain au féminin comme au masculin, hein? Mais qu'est-ce que tu veux, à la fin? Obtenir l'affranchissement civil des femmes. Oui, eh ben, c'est pas le sujet. Monsieur Courbet, le gouvernement souhaite que vous entrepreniez un tableau puissant pour son exposition. Tu serais pas en train de me faire des cacheteries? Petit coquine! Monarchiste! Non! Constitutionnel! Encore moins! Aristocrate alors! Dieu m'en garde! Hein, quoi? Anarchiste! Hein? Je suis anarchiste! Mais c'est dangereux ça! À notre santé! À Proudhon! À la liberté des femmes! Louis-Philippe! Il voulait! Qu'on ne soulève la saucisse comme ça. Attends. Associons-nous. Moi, mes tableaux et toi, ta plume. Oui, ta plume, dirigeant mes tableaux pour le livret original du salon. Mieux encore, pour celui du pavillon du réalisme. Mais tu n'y songes pas?